Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons toujours notre cours avec PHP sur des boucles. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, nous avons vu des boucles while. Alors, un petit rappel. Ici, j'initialise la variable i à 0 et puis j'ouvre la boucle while à l'intérieur de la boucle while. Je veux que tant que i n'est pas égal à 7, je veux que tu me fasses un boucle de écho de i avec un PHP end offline. Et là, on regarde le résultat. Voilà, ça marche très bien. Maintenant, nous allons continuer notre cours avec les boucles for. Alors, les boucles for, c'est comme les boucles while, mais c'est plus simple. Il faut tout déclarer à l'intérieur de la boucle for. Alors, ici, j'ouvre la boucle for. À l'intérieur, je mets des accolades. À l'intérieur, je mets i égal à 0, j'initialise i à 0 et puis je mets un point virgule et puis je veux que tant que i est inférieur ou égal à 10 et puis je fais l'incrémentation et puis en fait à l'intérieur c'est du classique, je mets le echo i avec le php end offline, on regarde le résultat et voilà, ça fonctionne très bien, c'est super. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets une pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt. Bye bye!